Merci. Deuxième partie. Là, nous sommes des pasteurs Edson Joseph. Mais ça me dit Dieu. Oh, là, on habitue avec Granger, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pas oublier, moi, dis-nous encore à l'abonner sous chaîne Prédication. Là, c'est Prédication de l'autre groupe, monsieur, t'es formé. C'est Bételgeuse Ministry. Bételgeuse, c'est la constellation une étoile qui puis brillante dans la constellation Orion. Orion qui faut former des quatre étoiles, triangles, etc. Ou ensemble d'étoiles, les Namita, etc. C'est la constellation d'Orion. Et Bételgeuse, là, c'est une étoile qui puis brillante. Bételgeuse Ministry, c'était un groupe, monsieur, qui était formé lui, et là, et nous avons gagné une prédication là-dedans. Mais Bételgeuse Ministry, on a réformé lui, relancé lui. Moi, invitez-nous à l'abonner sous Bételgeuse, Bételgeuse, comme Bételgeuse, J-E-U-S-E, Ministry, M-I-N-I-S-T-R-Y, Bételgeuse Ministry. Deuxième partie, Pasteur Edson Joseph, on fire, en feu et en flamme, et au bras regarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toute sa crangée qu'on a dit. Rien de nouveau. Pas oublier, c'est un monde méditerrané qui voyait le bon. On nous essayer de comprendre encore. Moi, je dis, l'importance, ou qu'on est, forme. L'importance, c'est parce que, pis fort, pour me dire ça qui est important, il dit, on l'a dit, qui est important, parce que c'est haïtien, yo. Sous mode surveillance, et quel que soit, yon ti faute yon fait, y a jeté yon, et y a prend yon brésilien, yon mauricien, ou yon malgache, nan place yon, parce que c'est la politique qu'on applique aujourd'hui. À l'inverse, ou encore en revanche, pasteur haïtien yon, au Québec, c'est yon qui s'est force l'église là. Et c'est comme ça qu'on fait dans tout côté. Miami, etc. Nous-mêmes qui sommes bourriques chargés, nous-mêmes qui sommes force là, et c'est nous qui ne pas respecter. Raison. Parce que nous ne pas unis nous. Raison. Parce que nous avons une faiblesse dans nous-mêmes. Malgré le pasteur, il n'est pas critiqué le système, non, bien entendu. Il n'est pas système non lié. Mais au moins, il prend responsabilité, il dit on bagaille. Même j'ai un pasteur, Dorival Jean-Claude. T'es prêché dans même l'église, Dieu cherche un homme, c'était un vibrant message. Monsieur, grand frère, nous fiers de nous, grand frère, parce que devant nous, c'est pratique théologie en tant qu'alumni, dans ce sens ça, mais dans l'autre sens ça, c'est nous-mêmes qui grand frère, mais dans ce sens ça, grand frère, nous fiers de nous, pasteur Dorival Jean-Claude, pour le message de prêché, Dieu cherche un homme, et pasteur Edson Joseph, pour le message ça, au moins. Nous avons une qualité, nous avons un sens. Deuxième partie, et moi, invitez-nous à l'abonner sous Bételgeuse Ministry. Et c'est une bagarre. Je vous place sur la muraille. Quand vous voyez le danger, il faut annoncer le danger au peuple. Si le peuple t'écoute, tu as sauvé le peuple du danger. Mais si le peuple n'écoute pas, toi, tu sauves ton âme. Mais leur sang va retomber sur leur tête parce que toi, tu as fait ton travail. Maintenant, quand un faux prédicateur donne une alerte basée sur une fausse information, qu'est-ce qu'on fait au peuple? La première fois que ça arrive, tout le monde va dire, ah bon, c'est un grand prédicateur, il voit des choses. Et puis, tout le monde va le suivre. Mais quand ce n'est pas arrivé, ça va se calmer. Après quelques temps, tu redis quelque chose d'autre. En fait, si l'Église ne se dissocie pas de ces choses-là, quand la vraie... Oui, les mouna a varié de temps en temps. C'est ça, oui. Les mêmes, ils font le très classique en français. Mais puisque je fais en créole, il y a un problème. Les mouna a varié. Les m'habitués, mon tout ça. Tout indicieux. Je dis à l'eau, c'est Saint-Esprit, avec Saint-Esprit, il est bien formé, Saint-Esprit, bah, il est. Demain, si de vélo, il fait rêve, il est là avec Saint-Esprit, c'est normal. Après, il dit, sous parité, ou quand on bagaille. On prend,
on prend les bons thèmes. Après le doux, l'esprit que doit saisir pendant là, on prend un bagage pour. Après le doux, ou que doit piquer. Après ou bien mon prédicateur qui doit dire et avec 50 et comment on a gardé tout pas pral changer. Or premier temps, c'est Saint-Esprit qui te changer. Ou variation, Saint-Esprit changer lui etc. Après ça c'est tout pas qui pral tander changer. Après ça il pral tander 50 cents pendant l'abdomen sous même cabane avec bon Dieu. Or bon Dieu pas tander 50 cents. Après ça il pral varier encore. Mais en attendant nous maintenant, son ensemble des variations tout ça yo faut repenser. Je pas dire mal, mais je dis pour ou repenser pour capable. Mais puisque sans créole moi dit, mon a prospité, il y a pompé, il y a bagaille bon et les toutes sortes du yogon ensemble des variations. Ou était comme ça ou concentré en pour lui péter pou ou dit nous ça d'avance ou avoir mouchoir pour le guérir monde pour laisser arriver. Et tandis que ou jouer ou tirer pied ou ensemble des variations. Bon et les sortes du yogon toutes variations. Et nous même capter derrière qui ça nous fait nous hospiter quand la vraie situation dangereuse va arriver. Voilà, on va dire il y a un danger qui arrive. Est-ce qu'on va faire quoi que ce soit? Non, on est habitué à écouter ces mensonges. Donc personne ne va rien faire. Donc à chaque fois que vous devenez alarmiste à l'église, vous faites le jeu de Satan. Vous faites le jeu de Satan. Je lis pour vous le texte. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Je vais lire quelques passages importants. À chacun, pas au président de la conférence du Québec, pas au président de la conférence générale, non, à chacun. C'est-à-dire, vous aussi, vous avez cette responsabilité, vous avez reçu le don de Dieu à chacun. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu un don. Amen. Amen. Nous tous, nous avons la même responsabilité devant Dieu, d'une certaine manière. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, le don que je reçois, je ne dois pas l'utiliser pour faire du mal à l'Église ou à quelqu'un d'autre. Je dois l'utiliser pour le bien de toute la communauté. Donc, le talent que j'ai, le don que j'ai reçu du Seigneur, c'est pour faire du bien. C'est pour permettre à l'Église de croître. Peu importe le titre que ce don a, ça doit être utilisé pour la croissance de l'Église. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Amen. Est-ce que vous ne reconnaissez pas ces dons à l'Église? Il y a des personnes, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de doctorat, ils n'ont pas de maîtrise. Mais devant les situations compliquées, tu t'approches de cette personne et la personne te sort une parole de sagesse. Une parole qui ramène le calme à l'Église. Une parole qui ramène le calme dans un foyer. Une parole, tu dis... Ça, c'est pas la personne qui parle, c'est Dieu qui parle à travers cette parole. La personne sait à quel moment tirer les textes de la parole de Dieu. Cette personne-là a un don. Il faut valoriser ces dons-là à l'Église. À une autre personne, une parole de connaissance. Ce don-là, c'est un don difficile à cerner, mais il y a des personnes qui ont le don de connaître quand c'est la vérité. La personne, tu dis plusieurs choses, la personne dit, moi je ne sais pas comment expliquer la vérité, mais je sais ça, c'est faux. Le discernement, une parole de sagesse, de connaissance. Des fois, tu reçois comme quelque chose. Et puis, ce que tu dis, tu ne l'as pas lu. Tu ne l'as pas lu. Mais quelqu'un va le trouver dans la parole de Dieu, un texte qui exprime exactement la même chose. À un autre, selon le même esprit, la foi. Par le
le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre, ce qui nous concerne, le don de prophétie ou la prophétie. Le texte termine en disant, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun, en particulier comme il veut. Je ne peux pas devenir prophète parce que j'ai envie d'être prophète. Tant que Dieu dit prophète dans le sens de dire des choses à venir. Non. Il y a des gens qui lisent des choses sur Internet et le lendemain, ils viennent vous débiter ces choses, on me défend rêve. Oh, le Seigneur m'a parlé. On sait que c'est faux. C'est faux. Le Seigneur ne t'a pas parlé. Parce qu'en fait, la Bible nous donne comment reconnaître les vrais prophètes. La Bible nous dit clairement, il y a 6 éléments. Ok? 6 éléments. Il y a 6 éléments qui nous permettent de reconnaître un vrai prophète à l'église. 6 éléments. Les dons des prophètes. À l'église ou autour de nous. Ok? Ça peut nous permettre. 6 éléments pour qu'on nous prophète. La personne doit être en accord complet avec les paroles des Saintes Écritures. Un accord complet. Un accord complet. Quelqu'un qui a un aura à l'église, qui un accord complet, qui sait envoûter les foules et qui commence par te dire, par exemple, ça peut vous blesser. Satan ne peut pas mourir. Parce que c'est un esprit. Ah bah. Évangile, hein. Okay. Si tu dis Satan ne peut pas mourir, cela signifie que Satan est immortel. Immortel. Oh, la Bible enseigne clairement que un seul est immortel. Ah bah. C'est qui? Maintenant, si cette personne-là qui a tout ce pouvoir d'enseignement te dit que Satan est immortel, c'est que Satan a en lui la source de l'immortalité. Parce que vous allez devenir immortel, pas parce que vous êtes immortel, parce que vous serez tout le temps en connexion avec le Dieu immortel. Cela va te donner la possibilité de rester immortel. C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, dans notre assemblée, il y a des gens qui vous débitent n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pour cela que il faut avoir le discernement. Ce n'est pas parce qu'il parle bien que ce qu'il dit est vrai. Et ce n'est pas parce qu'il est envoyé par la fédération que ce qu'il dit est vrai. Je dois prendre mon temps après la prédication. Tout ce que je vous dis là, après la prédication, rentrez chez vous, vérifiez. Si c'est correct, vous l'appliquez. Si ce n'est pas correct, pasteur Edson, au coin. C'est ça. On est d'accord? On doit être assez humble pour reconnaître que même les vrais prophètes de la Bible ont fait des erreurs. L'esprit de prophétie ne fait pas de la personne qui est prophète quelqu'un qui est immunisé contre les erreurs. Il y en a qui parlent de faire erreur. Pas vrai? On a des prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait des choses graves devant Dieu. Est-ce qu'on doit imiter ce qu'ils ont fait? Non! Ils ont été vrais quand, à un moment de leur vie, ils ont présenté la parole de Dieu. Mais tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, ne correspond pas forcément à la volonté de Dieu. Donc, dans le ministère prophétique, quand on parle de don de prophétie, il faut savoir dissocier ces choses. Quand la personne prend la parole au nom du Seigneur et que la parole dit des choses en conformité avec la Bible et que la personne fait un commentaire quelconque sur des choses, mais ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce commentaire. Non. Hein? Non. Si on n'est pas capable de faire cette différence, on va tomber dans la confusion. Confusion totale. Babylone. Deutéronome 13, Ésaïe 8, 19 et 20 nous dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore. Je ne peux pas
commencer à inventer des choses à l'église tirées de chapeau. Non. Il faut baser mon intervention, ma prédication sur les fondements des prophètes, c'est-à-dire sur la parole de Dieu déjà établie. Élément 1. Deuxième élément, la reconnaissance de Jésus en tant que sauveur pleinement humain. Sauveur pleinement humain. Si quelqu'un te dit que Jésus n'était pas Dieu, totalement, à 100%, ou qu'il n'était pas totalement humain en devenant sur la terre, à 100%, cette personne a un problème. J'ai dit dans une église que Jésus pouvait pécher. J'ai dit dans une église que Jésus pouvait pécher. Et puis, il y a plein de gens qui ont été scandalisés par cela. Oh non, pasteur, oh Jésus est Dieu, il ne pouvait pas pécher. Eh bien, ok. Si Jésus ne pouvait pas pécher, donc il nous a fait une blague. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la tentation, c'était une blague. Bon, il ne pouvait pas pécher. Pourquoi se louer? Pourquoi se vanter de quelque chose que tu ne peux pas faire? Ok, tu ne peux pas pécher et puis tu dis que tu as résisté au mal. Et c'est faux. Donc, il faut apprendre à entrer dans le texte biblique, à maîtriser ce que la Bible enseigne. C'est parce que Jésus pouvait pécher, et parce que lui, il pouvait pécher, que le fait qu'il a résisté a été quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'a pas résisté parce qu'il était Dieu. Il a résisté parce qu'il dépendait du Père. Puisque lui était un exemple pleinement humain, dépendant du Père, en connexion matin, midi et soir avec le Père, il a remporté des victoires. L'esprit de la prophétie nous dit que si on reste en connexion avec la révélation de la parole de Dieu pour notre temps, parce qu'on le lit, on lit ce qui nous est révélé et on demande l'assistance de Dieu pour accomplir ces choses, nous remporterons des victoires comme le Christ. C'est exactement ça. Troisième point. Wow. Porter des fruits. Porter des fruits. Pour reconnaître quelqu'un qui est prophète à l'église, peu importe son nom, est-ce que cette personne-là, il se met en désaccord avec l'immoralité? Est-ce que sa vie, durant, la personne fait des efforts pour se mettre en harmonie avec Dieu. Cela ne signifie pas que la personne ne commet pas un péché. Mais quand il est au courant, quand il a été visité par Dieu, comme Nathan a visité David, pour lui dire, voici ce que tu as fait, la personne va se mettre à genoux et reconnaître son péché. Mais quelqu'un qui reste dans son orgueil parce qu'il est prophète, à cause de sa position, cette personne-là ne représente pas Dieu. Tu vois, quand Jonas a échoué, c'était un prophète de Dieu. Parce qu'il a échoué, cela ne fait pas de lui un faux prophète. Mais Dieu est venu vers lui. Il lui a dit, je ne t'ai pas envoyé là. Voilà la mission que je t'avais donnée. Qu'est-ce qu'il a fait? Même quand il n'est pas d'accord, il a été. Après avoir bien prêché la parole de Dieu, il est fâché parce que Dieu a montré sa miséricorde. Mais il est prophète quand même. La Bible nous dit que les prophètes ne comprennent pas toujours leur mission. C'est vrai. Ouais. Tu peux porter un message et ne pas comprendre le message. Ouais. Tu peux être porteur du message et ne pas comprendre toutes les implications de ce message, tout ce que cela signifie. Ouais. Dépendant. Daniel n'a pas compris. L'apôtre Paul n'a pas compris. L'apôtre Paul, en présentant le retour de Jésus, il disait, moi, je ne mourrai pas, je verrai le retour du Seigneur. Ouais. C'était son interprétation. Mais est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Non, ce n'est pas ça que Dieu lui a dit. Mais cela ne fait pas de l'apôtre Paul quelqu'un qui est faux. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. La révolution mystérieuse. Quatrièmement, ces prédictions s'accomplissent. Voilà. Les prédictions
du prophète qui parle de la part de Dieu s'accomplisse. Il y a beaucoup. Quand tu dis c'est l'Éternel qui t'a dit que telle chose va arriver, ça doit arriver. La chose doit arriver. Depuis en 2023. Il dit avril 2024, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Il n'y a pas longtemps, moi-même, il y a une sœur, je vais terminer. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a appelé, étant en Haïti, parce que. Attention au 47e président des États-Unis. Et puis elle m'a appelé. J'étais à la sacristie à Mont-Sinaï. Puis j'ai répondu parce que c'était une vidéo. Elle a vu que j'étais à l'église. Et puis elle m'a dit, pasteur. Au Montréal toujours? Oh, pasteur, j'aimerais mon petit pasteur. Et pasteur, ma petite, oui, pasteur. Ah, Didier Gachet, non? J'ai dit à la sœur, mais. Dans tout sens. Pourquoi tu dis que je vais mourir? Je ne dis pas que je ne vais pas mourir. Mais ça n'a rien à voir avec la pandémie. Et puis c'est à ce moment-là qu'elle m'a expliqué les messages, ou à telle date, voici ce qui va arriver, etc. Ok. Il y avait les morsures de serpents, et puis il y avait un nombre de jours qui est dit dans l'Apocalypse, et il voulait l'appliquer à la pandémie. Nombre de jours qui est égal à 5 mois. Et quand la révélation a été donnée, en 2021, les 5 mois sont passés. En tout cas, nous sommes en 2024 maintenant, Jésus est toujours. Okay. T'es chargé. Et si je vous demandais quelle doit être l'élément déclencheur qui doit porter nous autres adventistes à laisser les grandes villes. Qu'est-ce que vous répondriez? Présentement, nous sommes aujourd'hui en 2024. Lorsque vous verrez l'abomination, il y a des prophéties bibliques, il y a des choses dans Matthieu chapitre 24, il y a des choses dans Luc chapitre 21, il y a des trucs dans l'esprit de prophétie d'Ellen White aussi. Ok? L'abomination. Mais qu'est-ce que nous avons comme information de manière pratique avec la révélation que nous avons pour aujourd'hui? Pour quel signe n'arrive pas ni en hiver ni un jour du sabbat. La proclamation de la loi du dimanche. Allez. Ok. Non, je prends cet élément, mais qui n'est pas complet. Qui n'est pas complet, je vais vous dire. Est-ce que vous savez que au Canada, à plusieurs reprises, on a eu la loi du dimanche votée? Oui, si vous faites des recherches, ici, c'était interdit d'ouvrir ces magasins le dimanche. On a eu la loi du dimanche à plusieurs reprises au Canada. Est-ce que c'était un élément déclencheur de la fin des temps? Non. Donc la loi du dimanche, ce n'est pas un déclencheur. Si vous le dites uniquement loi du dimanche. En Europe, il y a plusieurs pays qui ont pris la loi du dimanche. Un décret sur la loi du dimanche, ce n'est pas un élément déclencheur. Il faut avoir la vérité complète pour comprendre cela. On ne saura pas quand cela va terminer. On ne saura pas, parce qu'on ne saura pas à quel moment la dernière personne va recevoir l'évangile. On ne saura pas nous autres. Mais il y a un élément clé que Dieu a donné à Ellen White. Un élément clé. L'élément, c'est que quand le gouvernement des États-Unis décrétera une loi du dimanche sur tout le territoire des États-Unis. Pas dans un État. Yes. Parce que Apocalypse chapitre 13, la deuxième bête, a fait une image à la première bête. Donc, la deuxième bête, qui est les États-Unis, doit dresser l'image de la première bête, ce que la première bête a fait, la même chose. Donc, c'est les États-Unis qui doit prendre l'initiative de rendre concret un événement par la force de la loi de punir ceux-là qui transgressent le dimanche.
Quand les États-Unis vont prendre un décret national pour la loi du dimanche, ce qui va suivre par les autres nations, c'est le temps de fuir les grandes villes. Ce texte est non seulement de la Bible, mais le Seigneur a aussi exprimé et donné plus d'explications dans l'esprit de la prophétie. C'est pour cela que je ne vous invite pas à prendre Ellen White ou les livres de Madame White comme des documents qu'il faut étudier. Non, ce n'est pas ça. Mais les révélations que Dieu nous donne sont importantes pour nous préparer pour des situations spéciales. Il faut savoir laisser la parole de Dieu aiguiser notre discernement. Je vais vous donner un qui sait pour me finir. Si vous êtes ou marié, garçon ou fille, et puis tu n'as plus d'élan pour ton mari ou pour ton épouse, non problème. Qui n'a pas battu pour l'encore. Il bat pour vivre, mais pas pour lui. Ok? Problème. C'est un signe avant-coureur que votre mariage n'est pas en santé, pas vrai? C'est un signe avant-coureur que votre mariage n'est pas en santé. Mais si au lieu de chercher à rétablir la relation avec ton mari ou ton épouse, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la compagnie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Ou enterrer, ou fouiller un trou, ou enterrer mariage. Voilà ça. C'est la même chose pour notre relation avec Dieu. Si tu vois que tu as d'autres choses qui t'intéressent plus que les révélations de la parole de Dieu, si vous voyez que vous passez votre temps à vous nourrir d'autres choses qui sont différentes que la révélation que le Seigneur nous donne dans sa parole, c'est que votre relation spirituelle est malade. Et si on, quand on vous parle de cela, vous vous mettez en colère, sachez que vous êtes en train de creuser un trou pour enterrer votre âme. Quand le Seigneur vous appelle, c'est parce qu'il vous aime. Amen. Quand le Seigneur envoie quelqu'un vous tirer les oreilles, c'est une manifestation de sa grâce et de son amour. Amen. Ne dites pas, Mounsa en merde trop. Au contraire, si la personne, des gens qui parlent trop bon dans le langage, là, elle ne peut pas l'avoir mal, vous comprenez? Vous pouvez dire, prochaine fois, venez plus douce. Mais ne vous mettez pas en colère. Il y a deux autres points pour regarder les prophètes de nos jours. Deux autres points. Si la personne a des préoccupations matérialistes, on a prêché, mais la pande au fort balti, comme. Il faut joindre des bénédictions de toi-même. Il faut soutenir le ministère. Il y a insisté pour soutenir le ministère. Etc. C'est des préoccupations matérielles. C'est comme si son ministère est conditionné par le support matériel. Faites attention. Vous mettez vous dans le champ. Le champ, c'est le monde. Faites attention. Et le dernier point, avant de vous laisser. Faites attention. Le vrai prophète ne dit pas au peuple de Dieu ce que le peuple a envie d'entendre. Le peuple de Dieu dit exactement ce qui est nécessaire au peuple d'entendre comme vérité. Parce que quand un patient a un problème au pied, c'est un cancer, si cela reste, on va perdre tout le corps, le docteur te dit carrément amputation. Ça fait mal, mais c'est ce qu'il faut faire pour sauver la personne, pas vrai? Amputation. Des fois, il faut des messages d'amputation à l'église. Ils sont cancernés. Ils ont dit là, on cancerne. Et c'est parce que votre vie est importante que le Seigneur nous envoie des prophètes.
des situations pour que un serviteur de Dieu nous dise quoi faire. Amen, pasteur. Quoi délaisser et à quoi se cramponner pour sa vie éternelle. Que le Seigneur nous donne d'accomplir sa volonté et de rester attentif à l'esprit de la prophétie. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.